Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Ce sera 10 choses que j'ai toujours rêvées à cheval. Alors, je suis pas sûre qu'il y en aura 10, hein, mais bon. Alors, on commence pour le premier truc que j'ai toujours rêvé à cheval. Enfin, à cheval, c'est avoir déjà mon cheval, à moi. La classe. parce que avoir son cheval, je crois que c'est le rêve de toutes les cavalières, je pense. Et ce serait genre super que j'ai mon cheval à moi. Alors, deuxième chose, ce serait de galoper dans un champ à cru et tout, juste en tenant ma crinière comme ça, et être les cheveux au vent. Ce serait mon rêve. En plus, à côté de mon centre équestre, il y a un champ plein de fleurs, trop beau. Et avec mes potes, et on fait, vas-y, moi je vais galoper dans le champ. Donc c'est mon rêve. Ensuite, troisième chose, ce serait de... J'en ai aucune idée. Parce que ce tag, je ne l'ai pas... préparé, je fais tout ça en live à la va-vite parce que j'ai mes devoirs à faire. J'en étais à 3. La troisième chose que je rêve de faire en équitation, c'est d'avoir toute la confiance de mon cheval. Qu'il fasse totalement confiance. Que il pense, il a le même cerveau que moi qui pense à ce que je pense et tout. Enfin, façon de parler, hein, parce que voilà. Mais que genre, il anticipe et tout, ce serait trop bien. Bon, après, c'est un cheval, hein. C'est intelligent, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà. Quatrième chose que je rêve, ce serait ça me pose une colle. Ce serait... Ah oui. Ce serait que genre des fois genre il soit pas non plus voilà mais qui je sens que vous ne me comprendrez jamais. Alors, je recommence. J'aimerais qu'il soit un peu chiant avec moi, taquin et tout parce que genre c'est toujours mignon un cheval taquin tout mignon la copine qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'il vient de faire une connerie, c'est juste trop mignon. Ensuite, la cinquième chose que je rêve, ce serait que mon cheval, il arrive jeune chez moi, c'est pas un rêve, hein, mais qu'il arrive jeune, pas non plus trop jeune, mais que je le vois grandir et tout, que j'en ai pas déjà un grand, voilà, quoi, qui, pas non plus presque à la fin de sa vie, hein, je dis pas ça, hein. Mais que je vois mon cheval grandir, que j'ai le temps de passer beaucoup de temps avec lui et tout. Ensuite, sixième chose, ce serait de sauter à cru. Oh, j'ai toujours rêvé de sauter à cru et tout. Mais j'en ai jamais eu l'occasion là, parce que j'ai mon galop 1 et au galop 1. Tu sautes pas à cru! Parce que si vous savez pas, enfin si je vous ai pas dit que j'avais galop 1, ça y est, c'est dit, voilà. Et voilà. Ensuite, septième chose, je crois, que voilà, ce serait de passer tous mes galops. Mais que j'arrête jamais le cheval, parce que c'est trop bien, parce qu'à un moment, je faisais du cheval avant, sauf que j'ai arrêté, et je viens de reprendre juste cette année. Au début de l'année et tout, du coup, maintenant je veux plus arrêter. Et mon rêve et tout, ce serait genre que je fasse tous mes galops, voilà. Poucha poucha. Ensuite, huitième chose, ce serait de devenir une championne. Bon, pas non plus genre pour me la péter et tout, moi ouais, je suis une championne, c'est trop bien. Non, ce serait pour voir ma réussite quand même, que je suis partie du galop 1 et tout. Tout voilà que je me vois progresser quand même, que je passe du galop 1 à championne.
Ce serait franchement, voilà quoi. Avec Mouchoubal aussi, voilà. Neuvième chose, ce serait de. De faire ce que j'aime en équitation plus tard. Parce qu'il y en a qui font pas forcément ce qu'ils aiment avec l'équitation. Genre, il y en a qui veulent devenir cavalier professionnel, qui deviennent palefrenier. Moi, je dis pas ça, voilà. Hein. Mais que je fasse ce que j'aime parce que c'est un peu le but. Et la dixième chose, avant que je vous laisse pour faire je ne sais quoi. La dixième chose, ce serait. Je n'ai aucune idée. Je viens de dire tout. Donc, la dixième chose que je rêve en équitation, ce serait. Ah oui. Je sais. Que, genre, eh ben, je sois juste avec mon cheval et moi. Et que je fasse une grande randonnée sur la plage et tout. Que je galope sur le rivage avec un peu d'eau, voilà, sous les sabots du cheval et tout, à cru. Je sais que ça se fera jamais, hein, mais c'est ça que je rêve et tout. Genre, t'es comme ça, là, tranquille. Toi et ton cheval sur la plage, tu dors avec ton cheval, tu fais une randonnée sur la plage et tout. Ce serait trop bien, hein? Avec chevaux au vent. Je sais, je dis beaucoup cheveux au vent, mais ça fait trop magnifique, ça fait comme dans les films et tout. Et voilà, c'était la dernière chose que je rêve en équitation. Bon, ça se trouve, il y en a encore d'autres, hein, mais je n'ai pas d'idée. Donc, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Likez, s'il vous plaît, likez. Je ne suis pas si désespérée que ça. Alors, bah voilà, je vais vous laisser. Bon, bah, bisous, bisous!